Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel de retour sur Life is Strange. Alors comme vous pouvez le constater, l'épisode 2 est sorti et du coup je sais que vous l'attendiez tous avec impatience. Concernant l'épisode 1, je dirais pas que j'ai été déçu, hein. J'étais très content de revoir l'univers Life is Strange, il y avait des très bonnes trouvailles et tout, mais c'est vrai que je sais pas, je trouvais que il manquait ce petit côté de quelque chose qu'il y avait dans le premier Life is Strange, et c'est surtout franchement les comportements des gens qui se sont pas logiques. À la fin, on comprend pas trop cette crise de nerfs, le fait qu'elle pousse tout, qu'elle déclenche le feu. Oh, et puis, c'est un peu peut-être exagéré, mais bon, attendons de voir la suite. Donc, l'épisode 2 qui s'appelle Splendide Nouveau Monde, où nous allons voir donc la suite des relations entre Rachel Amber et Chloé Price. Voilà, c'est parti pour environ une heure de vidéo, je pense. Donc installez-vous confortablement, c'est le week-end et les vacances pour certains, donc profitez-en bien. Previously, on Life is Strange before the storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Et voilà comment ça s'était fini. Et bon, vu qu'il y avait cette histoire aussi avec l'alcool qu'ils avaient volé, oh, c'était un peu n'importe quoi. J'avais vraiment l'impression que ça a délayé. Et c'est vrai que bon, voilà, je trouvais que ça manquait vraiment cette patte qui nous intriguait et tout. Et donc je trouvais ça un peu, voilà, un peu surjoué, un peu surexagéré. Attendons de voir la suite. Donc là, visiblement, ils sont, je sais pas, dans le bureau du principal ou oui, c'est ça. Miss Price. How good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Oh. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Ah bah oui, ils vont tout mettre sur le dos de Chloé. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated, reality check time. Yesterday did actually. Et Rachel a vraiment pété les plombs, elle va dire un truc de genre. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Je vais ne rien dire. Ah mince, j'ai pas le bon clavier. Voilà. Genre la grosse insolente. Let me refresh your memory. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling. Ah, peut-être qu'ils savent pas par rapport à l'incendie, c'est juste le fait qu'elles ont séché les cours en fait. Sinon, ce sera la police en fait, bien sûr, je trouve bête. You engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students, Victoria Chase. Ah. Oh. Ah. Oh. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero tolerance policy on plagiarism. Mais comment elle se tient? Allez, vas-y, retiens droit.
Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well. Bah, elle a fait juste que lui dire des fausses réponses, c'est débile. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, ah bah oui, bien sûr, had spoken to me on Victoria's behalf, and we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. Ah. The hell I was. I stood up for that little weirdo. C'est vrai, en plus elle l'a défendu et moi je l'ai défendu. That's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. C'est vrai. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter. Vous reconnaissez la, le petit oiseau qu'il y avait dans l'autre. On va rassurer Joyce, c'est ma mère. Mom, you know this is all bullshit. Mais t'as pas besoin de le dire vulgairement, enfin. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No. Because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. Donc il la vire. It means you forced. Oh mon dieu. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to. I made her do it. Elle est bien, cette petite Rachel. Yesterday was all me, my idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Eh oui, c'est vrai. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Oh, bien sûr. Yeah, sure. Mais je trouve que c'est le ton qu'elle emploie, c'est bizarre. C'est pas comme ça que tu le dirais. Surtout qu'elle est fascinée par Rachel. Donc elle dirait pas ça de cette façon. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Si, c'est plus ou moins vrai. Parce que c'est elle qui a voulu sécher, c'est pas toi. Hein. Ok, yes. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber. Et puis elle qui a voulu voler la bouteille. I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel. Oh, I think we're clear, Principal Wells. Rachel, not my daughter. Oh no. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Je vais profiter du spectacle. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last two years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior. Bah oui, voilà, elle est consciente, la maman, quand même, hein, c'est logique. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand.
This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrator. Oh là là, j'arrive pas à me faire l'idée qu'elle va se faire assassiner, quoi. La pauvre Rachel, quoi. Elle, regardez, elle est tellement toute mignonne et tout, avec ses petites boucles d'oreilles plumes. Oh la pauvre. Elle va se faire punir. Oh, toi, tais-toi. Oh là là. What the performance is tonight? For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect absences on your record. Bah ouais. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. You Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Of course. Victoria Chase. Oh no. Oh. How fitting. Oh. How fitting. Victoria Chase. Ah bah oui, c'est vrai. Oh là là. That is such... What was that, Miss Price? Ah. Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Bah, de toute façon, on sait qu'elle va se faire renvoyer. Bon, allez, qu'est-ce que je fais? Illuminati, là. Bon, allez, j'endosse la responsabilité. On va les battre. Bah oui, c'est vrai. Ah. Alors, pour réussir un défi insolent, écoutez votre interlocuteur, choisissez une réplique associée, appropriée. Ça, on le savait, mais bon... Oh. Ah, lui, il a besoin que d'une fois. Oh purée, j'ai pas le temps de répondre. You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. Ah, j'ai gagné un point. Trop bien. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Ah, j'avoue qu'elle joue bien. I confess to the act like a motherfucker. Ah, mais arrêtez avec les gros mots. Je m'en fous. J'arrive pas à m'y faire. You don't have to do this. It's okay. Oh. Really? Arrête, mais ce que je vais faire. On n'est pas amis. Arrête, occupe-toi de toi. Oh, j'ai encore gagné un point, youpi! Because that's your stupid thing. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. J'aurais pas dû entraîner Rachel là-dedans. Fine. I shouldn't have pulled Rachel out of class. If I'd known she couldn't handle. Ah mince, il a gagné un point. C'est pas ça qu'il fallait que je dise. Ah, pourquoi vous dénoncez, mademoiselle Price? Vos aveux n'exonèrent en rien, Rachel. Mais ils vous impliquent bien davantage. Pourquoi ne pas partir en fanfare? Pourquoi ne pas partir en fanfare? Bah voilà. Ah, j'ai gagné. Non, j'ai perdu? Ah si, j'ai gagné. Oui. I'm only sorry I had but one fuck off to give. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover. Ah, pauvre Rachel. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes. Yes. Sure. You will not be removed from the play. Et voilà, parfait. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year. Uh-oh. The chance to reinstatement in the fall. And now? You are expelled. Ok. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule université ici, donc à Arcadia Bay, il faut qu'elle quitte la ville, quoi. Donc elle va se faire, elle va se retrouver à faire n'importe quoi. Oh là là. Bon, là, le problème, c'est que ça fait 15 minutes et on n'a pas joué, quoi, à part faire un petit dialogue. Allez. Allez, faut que ça bouge, là. On va un peu d'action. Pauvre Joyce, c'est horrible pour elle parce que bah voilà, elle a perdu l'homme de sa vie, sa fille tourne mal et elle n'arrive pas à avoir
une bonne relation avec elle et tout, c'est affreux quand même. Et puis en plus, sa vie va mourir aussi, elle laisse tomber quoi. Eh oui. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. Mais I'm Rose. This is Jane. Ouais. J'ai tilté qu'en fait elles vont être tuées par I'm sure for you this is an unusual par les mêmes personnes en fait. Mm. We really should be going. Nice to meet you. Ah. Il est bizarre lui quand même. Mom, I'll see you. In the parking lot. Mm. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. You know I was supposed to have today off, right? Oh. Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. Okay. J'avance. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Ah. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Ok, alors, où est-ce que j'ai pu cacher ça? Dans ma trousse? Voilà. Trusty keeper of my graffiti pens. Mm-hmm. Love how every time... F! Oui, franchement. Oh là là. Before saying how I'm wasting it all. Oh là là, c'est vieux les cours de chimie là. Alors voyons voir qu'est-ce que c'est. D'accord. Donc d'accord. Bah, voilà. Ok. Très bien. Retour. Oh un chat. Alors on va prendre. Bah oui, je vais tout prendre en fait. Allez, vas-y donne. Oh. Bah, les devoirs. Jeter. Bah oui, on s'en fiche. Allez. C'est quand même bizarre cette histoire, non? On peut pas... Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, c'est tous les gens qui ont occupé ce casier, c'est marrant. Alors, moi, c'est marrant parce que quand j'étais au collège ou au lycée, on n'avait pas de casier. Et voilà. Oh, 2010. Ou enfin, presque, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on va prendre. Ah, non, on va jeter. D'accord. Mon dieu, mais ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire là, franchement? Oh well. On va jeter. Pas très écolo tout ça. Allez, on jette. Et on jette. Bah, pauvre Chloé. Oh là là. Donc... Jackpot. C'est pas bien ça. What the hell? Damn it, Justin. Chloé, yo, j'ai dû t'emprunter ton truc. Les temps sont durs, tu sais. Je te promets que je te rendrai ça la semaine prochaine. Ah oui, j'oublie toujours qu'il y a ça qu'on peut traduire. D'accord. Bon, ben voilà, elle s'est fait voler tout ça. Ça fait 5 minutes qu'on est là-dedans juste pour ça. Ah bah, bravo. Hein. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Oh mon dieu. Bathroom. Oh mon dieu. Okay. But try to make it fast, will you? Ok. Bon allez, on va taguer les chiottes parce que du coup visiblement c'est ce qu'elle veut faire. Ah bah voilà. Allez, fais-toi plaisir. Ok, insubordinate. Oh non. Franchement.
Le fameux truc que Max va déclencher qui va sauver la vie à Chloé au début. Life is strange before the storm. Épisode 2. Et lui, il se pose pas de questions qu'elle mette 15 minutes avant de revenir, quoi. Tout va bien. Oh. Avec toutes les citations des gens et tout. Victoria. Bon, bah écoutez, je sais pas, je vais peut-être m'attirer les foudres des gens, mais pour l'instant, voilà, on veut plus de passion, on veut plus d'action, je sais pas, enfin, je sais pas. Je retrouve pas cette griffe du premier jeu. Oh. Mais bon, c'est parce qu'il y a pas Max, c'est pour ça. Later, Skip. Hmm. Ouais. Later. Ça, c'était du dialogue, dis donc. Looks like David's here. Oh. Ouais, ce crin, c'était carrément la cette réunion. Mais t'es carrément chelou. C'est toi. Oh, c'est pas grave. Sérieusement, ça en valait la peine. Oh. Ah, oh, j'ai appris des choses sur James et Rose. Donc mettez pause si vous voulez lire. Moi, je le lirai à part aussi, de toute façon. Voilà. Suivant. Hop. Vous pouvez mettre pause. Ah, ça, on l'a déjà vu. Qui c'est que j'ai pas vu encore? Précédent. Non, retour. Ah, c'est Mikey et Steph. Allez-y. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Voilà. Et voilà. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. C'est vrai. Mais t'inquiète, elle va revenir, Max. Voilà, je vous laisse mettre poudre à chaque fois. Voilà. Ça, on a déjà vu ça. Oui, ça, on avait déjà vu. Si, non, oui, je ne me rappelle pas. Je sais plus. Ah oui, voilà, si, c'est bon. Allez, regardez. Il manque un truc de ma mère qui me dit... Oh, Dieu merci, on rentre pas, nana. Oh, Chloé, vraiment, Chloé, tu peux pas continuer à me faire ça. Je fais de mon mieux. Désolée, maman. Désolée, je sais que je te déçois. C'est quoi, ça? Oh, putain, t'as eu le texto de Wes pour l'incendie, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, je suis dans ma chambre. Et après la tempête, ça dirait de sortir. Oh, il est touchant. Oh là, lui m'envoie des SMS, tout va bien. Ah, non, d'accord. À l'attention des élèves et du personnel de Blackwell, veuillez noter qu'un incendie qui se propage rapidement vient de déclarer, gna gna gna. La surveillance anti-incendie d'Arcadébé, gna gna gna, ok, tu vas bien, veuillez être vigilant, d'accord, trop bien. Bulletin d'information incendie, surveillance des incendies Arcadébé, le CIAB, d'accord. Incendie actif de classe D, compte non contenu, soyez prudent, consultez les médias. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Max would have loved this shit. Ok, qu'est-ce que c'est? Le futur a besoin d'excellence, oh oui, d'accord. Ah oui. Bah, ah, on peut courir. Nidpool, d'accord, mais j'ai même pas... Enfin, ce que je comprends pas, c'est... Enfin, pourquoi regarder un Nidpool là, maintenant, là, tout de suite? Enfin, oui, voilà, bon, ok. Hein. Ah, bah, Elliot, salut. On va te parler. Hey, Elliot. Il est pas en cours, lui? Je comprends pas. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. D'ailleurs, que faisait Victoria aussi? Was expelled. Oh. Wait, really? Holy shit. Oh. I know. I'm so. Bah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Bon, il y a de l'humour quand même, c'est ça, c'est bien. Au moins, ah oui. Ouais, allez, OK. Franchement, je lui fais faire ça juste pour voir ce que c'est, parce que bon, oh. Franchement.
bah j'ai bien fait de faire ça. Non mais le pauvre, il est tellement à fond sur elle, la pauvre. Enfin, le pauvre. Oui, parce qu'elle est à fond sur Rachel, quoi. Elle est tombée. What are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. Ah, oui, c'est vrai. You said we might see it together. Right. Good call. Did you get my text about hanging out? Oh, je m'aide, ouais, allez, parce que ça m'amuse, yeah. C'est tout. C'est... Je sais que c'est pas canon dans l'histoire, mais bon. Qui dit cool? I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. And don't worry about it. See you around, Elliot. See you around, Elliot. Yeah. Later. Ah, le pauvre. Bon, allez, on y va, là. C'est bon. Trop traîné, on va avancer. Hein. Oh, Please. Oh là là. Your mother and I have been talking. Can we do this later, please? Voilà. I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? Oh, Joy, je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé de jouer Chloé, quoi. Moi, je suis gentil. Moi, Pixel, je parle pas comme ça à ma maman. Oh. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no or how to. C'est pas gentil, c'est un vétéran, Chloé, tu peux pas lui dire ça. En plus, il va se trouver un job. Put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. Bah, mais c'est pas en lui parlant comme ça non plus que tu vas lui faire changer d'avis, hein, David. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe. I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Ouais, c'est pas gagné. Joyce, very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you change. If you improve. Ah, carrément improve your attitude. Oh là là là. Incident. What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me. Swore at me. But with an apology. Oui, mais Pixel, il a envie, bien évidemment, de faire ça. Mais Chloé, elle a pas du tout envie. Donc je vais le faire quand même. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Alors là, c'est compliqué. Et déjà, il faudrait que tu ranges ta chambre, Chloé, là. Alors là, de toute façon, j'ai même pas de shit sur moi, parce qu'on me l'a volé, donc... Genre le mec, il se croit à la police et tout. Ouais, ok. Maman. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling.
Oh oh. J'obtempère. C'est Pixel Pixel qui obtempère, hein. C'est pas Chloé Price. Franchement, la pauvre, quoi. Mais bon, moi, je vais arranger les choses. En fait, je me dis... c'est une façon... Oulala, c'est une façon ultra naïve de... Oh, le fameux porte-clés clé USB. Naïf de voir les choses. Je me dis peut-être que en changeant les choses dans le passé, ça changerait... Oh non! You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? En même temps, Chloé, franchement, t'étais prête à avoir un joint dans ta poche là et tu fais comme si t'étais indignée qu'on n'ait pas confiance en toi, quoi. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. No Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the all the three of us, yes. What does that mean? Que je vais venir emménager, c'est exactement ça, voilà, c'est ça. Ah, le début de la fin. Oupsie. Allez, Pixel, prends contrôle du corps de Chloé Price et fais lui dire que tu as tout foiré. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you and you need me and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David. Mais c'est pas ça, Chloé. Oh là là. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly. Mais lui il se comporte pas bien non plus, enfin je veux dire qui parle comme ça quoi. Enfin c'est n'importe quoi hein. Genre le mec tu vois il fait son, le, genre son vainqueur possessif et tout, enfin bon. Comment tu veux que ça mette Chloé en confiance, enfin ce genre de truc, bon. C'est pas très sain cette histoire hein. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'accepte de remonter dans la voiture ou je refuse? There is no home. Not if he's there. Oh là là. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. C'est dommage parce que franchement, voilà. Enfin, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à l'histoire d'avant. Je veux dire, c'est encore la fameuse relation conflictuelle entre David et Chloé, dont on avait absolument connaissance et tout. On veut de la nouveauté, on veut des choses nouvelles. Là, ce dialogue, enfin, je suis désolé, il était un peu inutile, quoi. Il y avait de l'humour, certes, mais bon. Qu'est-ce que tu fais là? Il est bizarre, il est où? Ah, elle est avec sa batte de baseball sur la planche. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left?
Par contre, graphiquement, c'est toujours aussi beau, hein. Franchement, là, ils ont parfaitement bien respecté le style graphique. C'est hyper propre, quoi. C'est nickel, il n'y a rien à dire. Hein. Comment elle marche. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bizarre, non? Ok. Ah oui, j'avais pas reconnu, effectivement, c'est la fameuse voiture que elle va conduire avec Max, bien sûr. C'est un... Oh là là, Chloé et David essaient de faire ce qu'ils pensent. Mais c'est un abruti! Oh, ça ne m'a pas plu qu'il t'ait demandé de vider tes poches et puis tu étais totalement innocente. Chloé, tu as bien oublié David, d'une minute, pense à moi. J'ai peut-être besoin qu'on puisse la paix, ok? Et moi, j'ai peut-être besoin que ma fille revienne. Oh là là. Oh là 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 là. Alors attendez, on va avancer. Ça, on a déjà vu. Voilà. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire cet épisode en 3 parties. Et donc on se retrouve vendredi prochain pour la suite des aventures de notre incorrigible Chloé Price. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et malgré mes petites critiques, mais bon, en même temps c'est des critiques que je veux constructives, hein, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que j'aime pas le jeu, mais c'est vrai que je me dis que là franchement, vu l'énorme bombe que c'était Life is Strange dès la fin du premier épisode, je me dis que là franchement il y avait moyen de faire un truc ouf, et bon, bon... Une réunion chez le proviseur et une engueulade avec la mère et le beau-père qu'on connaissait. Voilà, enfin bref. Passez donc de très bonnes vacances pour ceux qui en ont, parce que je sais que c'est les vacances scolaires. Et puis sinon, passez un très bon week-end et on se retrouve donc le week-end prochain. Prenez soin de vous. Peace out.